Malgré tout, on a l'impression que maintenant il faut le prouver. Est-ce que c'est bien décidé aux extravertis? Faut savoir que je me fous tout le temps de ma gueule moi-même. Ah oui, si c'est une IJ, du coup, on doit aussi voir pas mal de doubles décisions. Sur mes vidéos, qu'elles soient anciennes ou qu'elles soient récentes. Et en fait, j'ai un pote qui m'a dit mais pourquoi tu fais pas une vidéo où tu réagis? Et c'est vrai que j'y avais jamais pensé et que c'est tout con parce que tout le monde fait ça sur YouTube et du coup je me suis dit allez! Comment est-ce qu'elle prend une décision? Bah, j'ai un pote qui m'avait dit, j'ai vu que tout le monde le faisait, et donc que du coup, répand et je vais pas réfléchir 300 ans. Ah, est-ce que ça correspond vraiment à qui je suis? Est-ce que ça correspond à la direction que je vais faire pendant la... Non, un pote m'a dit, tout le monde le fait, allez! Ça surtout que genre c'est très très drôle parce que si vous connaissez ma bonne réputation de YouTube, vous savez que je suis très bien Genre, et réputée. tu vois, aussi, il y a cette. Genre, elle se voit avec beaucoup d'objectivité. Elle sait qu'elle est très bien vue. Genre, elle est consciente de sa réputation. Mais il y a aussi le côté DI. Je suis assez fier de moi et je sais. J'ai de la fierté en fait. Je sais où je suis objectivement par rapport aux autres. Je sais ce que j'ai fait de bien, tu vois. Et j'ai aussi ma fierté à moi de dire oui, bah voilà, tu sais ce que je veux dire. Et aussi beaucoup trop d'émotions sur son visage. Mais dans cette vidéo. Genre, tu vois, je sais que je suis allé, tu vois ce que je veux dire? Beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Et ça, c'est typique des FE. C'est typique, genre, c'est difficilement supportable. C'est difficilement supportable, vraiment. Voilà. Tu vois? Arrête, arrête avec tes têtes. Arrête d'avoir 300 émotions dans chaque phrase et une seule émotion, soit une FI d'homme. Tu fais une vidéo où t'es fâché, tu fais une vidéo où t'es triste, tu fais une vidéo où tu es contente. Mais arrête d'avoir Oh, allez, ouais. Bon, bah voilà, du coup, j'ai décidé. Et puis, genre, ah, les FE, ils ont tellement de hihi, Du coup, voilà, je pense qu'on va rire. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je suis désolée de ma tête, de mes cheveux et tout. Je suis en pyjama. Mais voilà, j'avais envie de vous filmer. Et puis, aussi, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, j'ai une petite annonce à la fin de la vidéo. Du coup, restez jusqu'à la fin. Et puis, c'est parti. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si vous voulez plus de je réagis à mes anciennes vidéos, je réagis à mes anciennes photos, nanana, mettez un pouce, enfin un like. Et du coup, voilà, on va partir avec la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. J'ai demandé à Maya de me choisir des extraits de vidéos. Je me suis arrêté sur ça aussi, et que j'ai demandé à machin, et je suis parti faire chier quelqu'un pour lui dire de travailler pour moi. Et attends, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et je veux faire une vidéo, et du coup, c'est quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu que tout le monde le faisait, même pour faire la vidéo en question, je vais demander à machin de faire un truc pour moi, tu vois, décision extravertie 100%. Il y a aussi un petit truc intéressant, écoutez ça par rapport à la pensée introvertie, du coup, parce que si c'est FE, c'est que c'est FE et TI au milieu. Je pense que ça va me faire du bien d'en parler et de vous donner tout simplement ma version des faits. Je pense que ça va me faire du bien d'en parler. Je pense que Ok, si je dis ça à tout le monde et que je parle de mes émotions, de comment est-ce que moi j'ai vu la chose, etc. Tu vois, c'est du sentiment, mais il faut que j'en parle avec les gens et ça va me faire du bien, tu vois. FE. Version des faits. Donc prenez en compte que c'est ma version. Dans une histoire, il y a toujours plusieurs personnes impliquées et plusieurs versions et plusieurs cerveaux et plusieurs façons de penser. Moi, je raisonne ainsi et je fonctionne comme ça. Et la personne en face, qui est impliquée aussi dans l'histoire, ne va pas forcément avoir ni la même version, ni la même façon de raisonner surtout. Donc. Ok, c'est quoi sa décision introvertie? Est-ce que c'est non, des raisons avec les gens et du sentiment pour moi? Non, c'est moi, j'ai ma façon de fonctionner et je marche comme ça et c'est ma façon de raisonner. C'est de la pure pensée introvertie. Inférieure, quand même bien équilibrée. En tout cas, quand elle parle de sa décision introvertie, c'est de la pensée et c'est TI. Enfin là, c'est même pas TI1, en fait, là, c'est juste TI. Et c'est pour ça que du coup, ensuite, il faut voir est-ce que c'est bien DE, etc. Donc là, c'était TI et on voit aussi FE et on sait que c'est DE, bon bref. Franchement, à la voir comme ça, en voyant son Instagram, ce genre de pose, tu vois. Ça, c'est assez classique, sensation féminine, mais avec un visage de masculin. Genre, les FM, sensation féminine et décision extravertie masculine, ils sont très souvent, genre un peu sexy, mais genre avec un regard agressif, tu vois. Ils sont très souvent dans ce genre de trucs, ils sont très visuels aussi, etc. Bon, si je devais vraiment dire c'est quoi sa personnalité. Juste en la voyant comme ça, une féminin masculin, une féminine masculine, mais ça sonne mal, une FM en tout cas, admettons consomme je sommeil. Voilà comment est-ce que je la typerais si je la typais par rapport à tout ça. J'ai déjà parlé du fait que les ESFP ils ont un Instagram assez spécial. Là, c'est un Instagram de SFP, tu vois, par exemple. Il y a plein de petits indices comme ça, plein de trucs qui te font penser que, mais justement, pourquoi est-ce que ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut se baser vraiment? Pourquoi? Parce que avoir un Instagram de SFP, avoir une tête de SFP, avoir des amis ESFP et avoir une vie de SFP, en tout cas vue de l'extérieur, aussi étonnant que ça puisse paraître, genre effectivement dans 90% des cas,
ceux qui font tous les trucs de SFP, bah, ce sont les SFP en fait. Mais il y a 10% des cas où, ah, en fait, non.